qu'est-ce qu'ils nous disent pour aujourd'hui, pour l'action, pour les relations entre Alors, les hommes, ne pour me la demandez gestion pas politique. S'ils nous disent qu'il faut voter telle loi à tel moment ou ceci, c'est pas comme ça. Ils nous disent qu'il faut regarder un peu plus haut et chercher ce qu'est une cité, ce qu'est le dévouement pour une cité, ce que cherche un homme, ce qui est bien, quelles sont les choses à comprendre et les dangers aussi, les dangers de la démagogie. Ils nous disent ça sous forme très générale et moi ça me paraît encore assez aujourd'hui, utile, je regrette. Quand on dit aujourd'hui que ce serait intéressant de faire que les citoyens tirés au sort, c'est-à-dire tirés par hasard, soient des jurés et des juges, des élus, des politiques. Vous dites c'est un bon retour à des principes de la démocratie athénienne ou c'est une dérive? Je dis d'abord que je ne songe pas à prendre des institutions et des faits athéniens pour les transporter dans une culture et une atmosphère totalement différente. Je ne souhaite pas qu'on revienne aux façons de faire d'Athènes. Mais je trouve très beau que, dans ce moment d'épanouissement, ils aient eu l'idée que tout homme pouvait prendre sa responsabilité, juger lucidement, s'initier, comprendre. Et je pense qu'à l'heure actuelle, nous souffrons un peu de cette distance qui s'établit entre le citoyen moyen et ceux qui sont dans des fonctions. On dira, et Monique va intervenir, qu'il y avait tout de même, à l'époque, mais c'était déjà un progrès considérable, que chaque homme ait la possibilité d'intervenir, mais toutes sortes de catégories d'hommes et de femmes qui n'avaient pas le droit de participer Bien à la sûr. Vie de la cité. Bien sûr. Madame de Romilly, vous ne m'avez pas tout à fait répondu sur la participation de citoyens tirés au sort. Est-ce que c'était dans la vie politique, pour la gestion politique ou pour les procès? C'est pour les tribunaux. Mais pour la gestion politique, à l'Assemblée, il y avait tous les citoyens, avec les mêmes réserves toujours, mais tous les citoyens. Pour les procès, il y avait des citoyens tiré au sort. C'est en effet la différence. Et c'est comme ça qu'a été jugé Socrate. Oh, vous savez, c'est un procès compliqué. Je ne défendrai pas la condamnation de Socrate, bien entendu. Je dirai seulement ce que j'ai dit à diverses reprises. C'est que nous sommes là maintenant à dire ils ont été injustes, ils ont fait une erreur, ils ont condamné Socrate. Mais ceux qui l'ont dit, ce n'est pas nous. C'est tout de suite, sur le moment, c'est Platon, c'est tous les disciples de Socrate, dans des textes, encore une fois, des textes écrits qui sont venus jusqu'à nous et ont attiré notre attention. Des condamnations injustes et scandaleuses, il y en avait eu d'autres, il y en a eu probablement plus que nous ne pensons, mais là, ce sont eux qui ont marqué. Déjà, Monique. Oui. Et c'était une période très troublée. Le procès de Socrate a eu lieu quelques années après le retour de la démocratie et dans un moment très agité. Une forme politique, la démocratie, étonnamment réussie, avec des procédures de contre-pouvoir, de reddition des comptes. Les stratèges étaient régulièrement obligés de rendre des comptes sur leur gouvernement, avec la possibilité surtout de mettre au premier plan la loi. La liberté était définie comme la soumission à la loi. Et c'est ce qui faisait l'extraordinaire de la démocratie grecque. Avant, contre l'arbitraire de chacun, il y avait la loi commune, ferment de la liberté. Et la liberté pour un grec, ça voulait dire la liberté de participer activement aux affaires de la cité.